Né au Mali d'un père malien et d'une mère française, Jean Amadou Tigana arrive en France, à Marseille, à l'âge de 3 ans avec ses parents. Il découvre le football au SO Cayol à Marseille. Il exerce également la profession de facteur avant d'être footballeur professionnel. Milieu de terrain fin et technique, Jean Tigana fait ses premiers pas en championnat de France au Sporting Toulon en 1975. En 1978, il est repéré par l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Aimé Jacquet, qui le fait venir et disputera dans la foulée son premier match professionnel le 19 juillet 1978 à Strasbourg. Il y restera 3 années avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux pour 2,1 millions de francs. Là, il retrouvera de nouveau Aimé Jacquet, son mentor de l'Olympique Lyonnais. C'est avec Bordeaux qu'il remportera ses premiers trophées. Alou Diarra, né à Villepinte en France de parents d'origine malienne, le milieu de terrain commence sa carrière au club du CSL Olney à l'âge de 6 ans, puis au club de la ville de Villepinte. Il commence sa carrière professionnelle à Louhans-Cuisseau. Pendant sa jeunesse, il passe par le Bayern Munich et le Liverpool FC sans jamais jouer avec les équipes professionnelles. Il remporte de nombreux titres, notamment avec l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. Pouvant aussi évoluer sous les couleurs de la sélection malienne, le pays d'origine de ses parents, Alou Diarra opte finalement pour la France. C'est ainsi que lors de sa première saison avec le Racing Club de Lens, Alou Diarra attire l'attention du sélectionneur français Raymond Domenech qui le fait débuter en équipe de France le 9 octobre 2004 face à l'équipe d'Irlande. Zoumana Papus Camara est un ex-footballeur français devenu entraîneur adjoint. Il est né à la Colombe en France de parents maliens venus de Bamako. En tant que joueur, il évolue au poste de défenseur central principalement en France dans des clubs comme l'AS Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain. Il aurait pu porter le maillot des Aigles du Mali comme cela fut proposé avant sa seule et unique sélection avec les Bleus en 2001. Je n'ai pas de regrets, je voulais jouer pour la France et je suis parvenu, dit-il. Issu d'une famille originaire du Mali, Djibril Sidibé est né le 29 juillet 1992 à Troyes, où il grandit avec 3 sœurs et 2 frères à Troyes. Djibril Sidibé commence sa carrière à l'âge de 8 ans à l'ES Troyes AC au poste de milieu défensif avant de reculer et de jouer en défense. Il est titulaire d'un brevet d'études professionnelles. Il joue son premier match professionnel avec l'ES Troyes AC le 18 octobre 2009. Entre 2012-2016, il évolue sous les couleurs du LOSC, où il dispute 119 matchs et inscrit 11 buts. Le 8 juillet 2016, il s'engage pour 5 saisons avec l'AS Monaco. Pendant 3 saisons, il joue 114 matchs et marque 6 buts. Le 7 août 2019, Sidibé est prêté pour une saison avec option d'achat à Everton FC. En juin 2016, Djibril Sidibé a été appelé par Didier Deschamps comme réserviste en équipe de France à l'occasion de l'Euro 2016. Longtemps courtisé par l'ex-sélectionneur du Mali Alain Giresse afin de jouer pour les Aigles du Mali, Sidibé a refusé catégoriquement l'idée de jouer pour la nation d'origine de ses parents. José Touré est un ancien footballeur français né le 24 avril 1961 à Nancy. Fils de Bako Touré, il est surnommé le Brésilien pour sa technique hors norme. Recruté par le FC Nantes, il débute en championnat de France le 19 octobre 1979 contre le SC Bastia. Au terme de la saison, il remporte avec les Canaries son premier titre de champion de France. Il récidive en 1983, possédant la double nationalité franco-malienne. Il opte pour l'équipe de France au détriment du Mali, pays natal de son père. Le 23 avril 1983, il connaît sa première sélection en équipe de France A. L'année suivante, il devient champion olympique avec la France contre le Brésil. Né à Lille d'un père malien et d'une mère française, Alassane Pléa a commencé sa carrière de jeune footballeur dans le club de Waskehal. Il s'est ensuite retrouvé dans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais pour y effectuer ses débuts en 2009-2010 avec les U17. Là-bas, il a notamment croisé Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Jordan Ferry, Clinton Ndié et Anthony Martial. C'est à Nice que Alassane Pléa se fait un nom. Il y reste 4 saisons et termine l'exercice 2017-2018 avec 16 buts en Ligue 1. Le 13 juillet 2018, il s'engage en faveur du Borussia Mönchengladbach pour une durée de 5 ans contre un montant de 25 millions d'euros. En juin 2012, il participe avec l'équipe de France à l'Euro des moins de 19 ans et échoue en demi-finale au tir au but contre l'Espagne. Mais il n'est pas retenu pour la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans 2013 remportée par la France. Courtisé depuis de longues années par le Mali, pays d'origine de son père, Pléa a toujours repoussé sa décision. Après de très bons débuts avec Mönchengladbach, Pléa est convoqué en équipe de France par Didier Deschamps le 12 novembre 2018 afin de pallier les forfaits d'Anthony Martial puis d'Alexandre Lacazette.
Il honore sa première sélection le 20 novembre 2018 contre l'Uruguay en entrant en cours de partie à la place d'Olivier Giroud. Né de parents maliens et issu de la cité de la Rose des Vents, il fait ses tout débuts à Aulnay-sous-Bois en Saint-Saint-Denis. Il rejoint ensuite le Red Star 93, puis en 2002, à l'âge de 13 ans, le centre de formation de Toulouse Football Club. Sélectionné régulièrement en équipe de France dans chaque catégorie d'âge, il passe son premier contrat professionnel en décembre 2006 avec le TFC, quelques semaines après avoir rejoint l'équipe réserve en CFA. Le 24 janvier 2013, Moussa Sissoko signe à Newcastle pour une indemnité de transfert de 2,5 millions d'euros. En trois années passées à Newcastle, il totalise 113 matchs, 19 passes décisives, 12 buts et 9 capitanats. Annoncé du côté d'Everton, Moussa Sissoko s'engage finalement pour le club anglais de Tottenham le 31 août 2016 pour 5 ans contre un chèque de 35 millions d'euros. Possédant la double nationalité française et malienne et pouvant jouer pour le Mali ou la France, Moussa Sissoko choisit de défendre les couleurs du pays qu'il a vu naître. C'est ainsi que Moussa Sissoko porte pour la première fois le maillot bleu avec Raymond Domenech en 2009 alors qu'il est très bon au TFC. Vainqueur de la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, né le 15 mai 1997 à Vernon dans le département de l'Eure, d'un père d'origine malienne et d'une mère sénégalo-mauritanienne, Ousmane Dembélé grandit dans la ville voisine d'Evreux. En octobre 2004, il débute la pratique du football sous les couleurs de ALM Evreux, le club du quartier de la Madeleine. À l'âge de 13 ans, il est détecté par le club professionnel du Stade Rennais et réalise des tests qui se révèlent concluants. Il intègre le centre de formation du club rennais. Le 1er octobre 2015, après de longues tractations, Ousmane Dembélé finit par signer un premier contrat professionnel de 3 ans en faveur du Stade Rennais. En 2015 et 2016, il dispute 29 matchs, marque à 12 reprises et délivre 5 passes décisives. Le 12 mai 2016, le Stade Rennais et le Borussia Dortmund annoncent conjointement avoir trouvé un accord pour le transfert d'Ousmane Dembélé, qui doit s'engager pour 5 ans avec le club allemand. Pouvant jouer sous les couleurs de 3 pays différents, Ousmane Dembélé choisit de porter les couleurs de l'équipe de France. Le 28 août 2016, Didier Deschamps l'appelle en équipe de France suite au forfait sur blessure de Nabil Fekir, Johan Cabaye et Alexandre Lacazette pour un match amical face à l'Italie et pour un match éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 face à la Biélorussie. Ainsi, le 1er septembre, il honore sa première cape internationale en rentrant en jeu en seconde mi-temps à la place d'Antoine Griezmann face à l'Italie, puis fait ses débuts en compétition officielle en remplaçant Moussa Sissoko contre la Biélorussie. Lassana Diarra, né à Paris le 10 mars 1985 d'origine malienne, découvre le football au centre sportif de la rue Julien Lacroix dans le 20e arrondissement de Paris, la belle ville, son quartier d'enfance. Il poursuit sa formation au Paris FC, au FC Nantes et au Mans, puis au Havre AC. Après avoir connu Chelsea, Arsenal et le Real Madrid notamment, Lassana Diarra rejoint l'Angers Makhachkala puis le Lokomotiv Moscou. Après une première partie de saison étincelante, le milieu connaît une subite baisse de performance et le club décide de baisser son salaire, ce qui le décide à quitter le club. Assigné devant la FIFA pour rupture abusive de contrat, il doit attendre un an avant de pouvoir jouer pour un autre club. Pour se relancer, il choisit l'Olympique de Marseille où il devient indispensable. Trois mois plus tard, Didier Deschamps le convoque en équipe de France. Quand il évoluait avec le Havre AC, la fédération malienne a tenté plusieurs fois de le convaincre de porter les couleurs de la sélection malienne. Le Mali fait le forcing, je n'ai pas encore choisi entre les deux pays. Pour l'instant, je joue en France, donc je continue, après on verra. Le 15 mars 2007, il est convoqué pour la première fois en équipe de France par Raymond Domenech contre la Lituanie lors des qualifications de l'Euro 2008. Il participe notamment à l'Euro 2008. Il fait partie des 23 joueurs retenus pour disputer l'Euro 2016, mais une blessure au genou gauche, le calcitrant, le contraint à déclarer forfait. Le 21 février 2019, il résilie son contrat avec le Paris Saint-Germain et prend sa retraite sportive après pratiquement 15 ans de carrière. N'Golo Kanté est né dans le 10e arrondissement de Paris de parents immigrés du Mali, pays dont il possède également la nationalité. Arrivé tardivement dans le monde professionnel, il connaît depuis une progression constante. Révélé en France par l'US Boulogne, puis au SM Caen, il signe ensuite à Leicester City où il remporte son premier trophée, le championnat d'Angleterre en 2016. Transféré en 2016 à Chelsea, il remporte une nouvelle fois le titre de champion d'Angleterre en 2017 et est élu meilleur joueur de première ligue de la saison 2016-2017. Il est considéré dès lors comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. En 2018, il est un des acteurs majeurs du parcours victorieux de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde en Russie. Il aurait pu défendre les couleurs du Mali, le pays de ses parents. En juin 2015, alors qu'il flambait avec Caen, il avouait opté pour les Aigles à moyen terme. Sollicité à l'époque par Henri Kasperzak,
alors sélectionneur du Mali, Kanté avait pourtant décliné la sélection, préférant se concentrer sur son club. Un an plus tard, il est de nouvelle fois approché par le FEMA Foot à l'occasion de la double confrontation contre la Guinée équatoriale, match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. N'Golo Kanté dit non aux aides du Mali. En mars 2016, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps le convoque en équipe de France pour des matchs amicaux contre les Pays-Bas et la Russie. Retenu pour disputer l'Euro 2016 en France, N'Golo Kanté s'impose en quelques matchs comme un titulaire indiscutable au poste de milieu récupérateur. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et la partager.